Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Kamala Harris. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Je me suis lancé comme défi d'aller témoigner mon soutien à toutes les femmes de la planète. Mais j'ai réalisé que c'est quand même 3 milliards de personnes. Voilà. Non, parce que le chiffre peut étonner certaines personnes, mais un être humain sur deux est une femme. Non, mais parce que globalement, quand on regarde comment les femmes sont traitées sur la planète, on pourrait croire qu'elles sont moins. Mais non, on dit quotidiennement, on manque de respect à 3 milliards d'individus. Quotidiennement, on dit à 3 milliards d'individus, oui, vous serez payé moins que les autres, oui. Oui, pour le même travail, oui. Et alors? Et vous allez vous déshabiller. Voilà ce qu'on dit à 3 milliards de personnes. À 3 milliards de personnes, on dit les menstruations, c'est votre problème. Sachant que les menstruations sont le résultat d'un processus qui a donné la vie à 100% des êtres humains sur la planète. Mais on leur dit non, c'est votre problème. Tu réalises aujourd'hui que quand tu nais, t'as une chance sur deux d'être respecté par la société. Une chance sur deux. C'est fou, on a une journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident? J'avais envie de faire une chanson où je faisais une déclaration, en fait, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça, tout simplement. Je voulais faire une déclaration à ma femme, aux femmes de manière générale. Et d'ailleurs, j'ai même hésité à la mettre sur l'album parce que c'était peut-être trop attendu, peut-être trop cliché de parler de ça à ce moment-ci. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est un point de vue masculin. Il n'y a pas eu beaucoup de points de vue masculins sur la question. Et je pense qu'il faut se positionner aussi. Et à un moment, et c'est pas que dans des situations dramatiques où c'est ultra grave, où on parle de violence vis-à-vis des femmes et tout ça, c'est aussi dans notre petit quotidien, la charge mentale, des détails de la vie du quotidien, quoi, mais qui sont importants. Et c'était une façon de reconnaître que, ben voilà, je suis peut-être pas le meilleur des maris, j'essaie de faire de mon mieux et je m'améliore, quoi. Et c'est un peu une façon de dire, demander un peu pardon et de dire, ben voilà. J'espère que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Si le courage avait un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand-chose, mais de toi, j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi, je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte, même si la charge mentale on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. Toujours obligé d'aimer enfanter. Toujours obligé d'aimer enfanter. La contraception qui te détruit la santé. La santé, la santé, la santé. Endométriose enchantée. Mieux payé que toi sans vouloir me vanter. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte, même si la charge mentale on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.